de tous les câlins que j'ai pu faire avec vous déjà sans distanciation sociale. Et ça... Alors, je ne sais pas très bien quoi vous dire, simplement parce que vous êtes très nombreux à m'avoir suivi depuis un certain temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, il était clair depuis le début que cette crise sanitaire n'était qu'un prétexte pour nous faire avaler, pour nous faire accepter un certain nombre de lois et de mesures liberticides. Et... Comment ? Ça ne va pas passer, comme dit lui. Ah, okay. Ce qui me frappe, c'est que Santé Canada, qui porte dans son nom le mot santé, ne nous a jamais parlé une seule fois du système immunitaire. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais on nous a fait croire que tout à coup, nous avions perdu notre système immunitaire, nous avions perdu notre capacité à être en équilibre, nous avons perdu notre capacité de prendre soin de nous, et on nous a traités comme des enfants impuissants, incapables de savoir ce qui était bon pour nous. Alors quand on regarde ce qui est derrière cet agenda, bien entendu pour moi, il était clair que l'agenda, dès le départ, était annoncé par les médias dominants, puisqu'on nous disait « on ne reviendra pas à la normale tant que nous n'aurons pas un vaccin ». Alors je peux vous annoncer déjà que les travaux qui sont faits actuellement, il y a à peu près 126 équipes différentes dans le monde qui travaillent sur la fabrication d'un vaccin anti-Covid. Donc vous imaginez les milliards de dollars qui sont en jeu actuellement pour vacciner, d'après les dires de Bill Gates, 7 milliards d'individus avec 2 doses de vaccin, c'est-à-dire 14 milliards de doses de vaccin. Ce que je peux vous dire, c'est que les premiers essais qui sont faits, entre autres par l'université d'Oxford, sont absolument catastrophiques au niveau de l'efficacité, au niveau de l'innocuité, c'est-à-dire la non-dangerosité. Mais plus grave que cela, c'est que ce sont des vaccins d'une nouvelle génération, des vaccins comme on n'en a pratiquement jamais vu jusqu'à présent dans l'histoire de la vaccination. Et ces vaccins, ce sont des vaccins à ARN libre et à ADN. Ce qui veut dire que, dans l'exemple de l'université d'Oxford, entre autres, ils utilisent de l'ARN de singe. Vous avez bien entendu, de l'ARN de singe. Ils utilisent donc la grippe du singe qu'ils manipulent génétiquement, dans laquelle ils injectent des séquences du Covid-19. Et c'est ça qu'ils voudraient nous inoculer pour, en fait, faire de nous des humains génétiquement modifiés. On n'avait pas assez avec les organismes génétiquement modifiés. Maintenant, on en est dans une situation où nous allons devenir des humains génétiquement modifiés. Alors, est-ce que vous voulez cela pour votre... Tout ça est du non lucratif, en plus. Alors... Moi, je pensais au départ que l'agenda était uniquement de nous vendre des vaccins et de faire quelques dizaines ou quelques centaines de milliards de dollars de bénéfices dans ce marché extrêmement juteux, avec des instances de santé qui sont pourries jusqu'à la moelle. Il faut quand même que vous sachiez que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, est dirigée par un ancien criminel de guerre, quelqu'un qui est responsable du génocide de 2 millions de personnes dans son pays d'origine. L'OMS est financée par le multimilliardaire Bill Gates, qui se présente partout comme un philanthrope, alors qu'en réalité, ce qu'il donne de la main droite, il le récupère de la main gauche à travers les investissements qu'il fait dans les compagnies pharmaceutiques qui, comme par hasard, fabriquent les vaccins. Donc, moi je pensais que l'histoire s'arrêterait là,
J'ai commencé à m'inquiéter lorsque j'ai vu que des organismes comme ID 2020, si vous n'en avez jamais entendu parler, allez voir sur internet id2020.org. Cet organisme qui est financé, devinez-le, par Bill Gates, par la Fondation Rockefeller, par le Gavi, ont comme mission de numériser l'identité de tous les êtres humains sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, bientôt, vous n'aurez plus besoin de passeport, vous n'aurez plus besoin de permis de conduire pour vous identifier. Vous aurez un implant numérique qui permettra au pouvoir en place de vous tracer en permanence. Mais l'histoire ne s'arrête pas encore là, parce que, bien entendu, avec des objectifs aussi crapuleux que ceux-là, il fallait faire taire toute opposition démocratique. Et je pense que cette loi 61 qui vient de... Enfin, ce projet de loi 61 qui vient de sortir a fait sortir le chat du sac. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle que maintenant, les objectifs cachés du pouvoir qui est en place, qui s'est emparé du pouvoir de façon totalement antidémocratique, maintenant, ces objectifs sont en train d'être révélés au grand jour. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et je vous dis très, très franchement que je préfère 100 fois être traité de complotiste ou même de con que d'être du côté des comploteurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et très sincèrement, et je terminerai par là parce que j'ai pas envie de vous prendre trop de temps, mais j'ai envie de vous faire des câlins, mais je ne voudrais pas, très sincèrement, je ne voudrais pas aujourd'hui être à la place de François Legault, d'Horacio Arruda. Je ne voudrais pas non plus être à la place de tous ces journalistes qui n'ont pas rempli leur pouvoir vis-à-vis des citoyens. Comme l'a dit Maître Bertrand tout à l'heure devant le palais de justice, normalement la démocratie repose sur trois piliers. Elle repose sur le législatif, c'est-à-dire ceux qui votent les lois, sur l'exécutif, c'est-à-dire le Parlement, le gouvernement. Et puis il y a le judiciaire, c'est-à-dire les juges, les tribunaux, la cour. Et actuellement, sous prétexte que nous avions un virus soi-disant mortel, alors que dès le mois de février, nous savions que des pays comme la Corée du Sud ou comme le Japon étaient capables tout à fait de venir à bout de ce virus sans aucun dégât majeur pour la population, mais Santé Canada a préféré faire la sourde oreille et nous faire croire que nous allions tous mourir, que nous allions avoir des centaines de milliers de morts si nous ne nous confinions pas, et par prétexte, ce prétexte a été utilisé pour mettre par terre deux des trois piliers de la démocratie, c'est-à-dire le législatif et le judiciaire. Mais moi, je pensais qu'il y aurait un quatrième pouvoir. Vous connaissez ce quatrième pouvoir. Normalement, c'est les médias. Normalement, c'est les médias qui devraient jouer ce rôle. Et les médias n'ont été qu'à la solde de l'exécutif qui avait pris le pouvoir tout seul. Alors je pense qu'un jour, et ce ne sera pas très long pour que ça arrive, tous les médias mainstream qui nous ont traînés dans la boue, que ce soit André Pitre, que ce soit Alexis, que ce soit les membres de la Fondation, que ce soit mes amis français, belges, suisses, qui eux aussi font un travail extraordinaire pour éveiller le peuple de toutes les magouilles qui sont en train de se perpétrer contre lui, eh bien il faudra que ces journalistes rendent des comptes un jour et qu'ils présentent leurs excuses à tout le monde.
Alors, bien entendu, je ne suis pas seul dans la fondation, vous le savez. Je suis seulement un des trois administrateurs, un des trois membres, je dirais, qui est actif dans la fondation. Mon rôle à moi, ce sera, comme vous le savez, de coordonner les équipes de scientifiques venant de différents pays pour apporter les meilleurs dossiers au service des avocats qui vont défendre nos causes et qui vont faire reculer ces lois liberticides. Donc ça, ce sera mon rôle à moi. Et maintenant... je voudrais vous introduire à Caroline Mailloux, qui est donc vice-présidente également et la directrice de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. De faire en sorte que les gens de votre famille ne soient pas brusqués. Nous autres, on n'est pas là pour nourrir les polarités. Allez-y. Anti-vaccin, allez-y. Vaccin. Qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, c'est vraiment informer les gens sur ce qui se passe. Et avec l'information qu'on va amener, les scientifiques qu'on va amener à la table, les gens vont voir qu'est-ce qui se passe. Ils vont comprendre. Alors, il va dans cette optique, s'il vous plaît. On va faire le changement, mais le changement dans des bonnes actions positives. On ne veut pas aller dans de la violence, on ne va pas en guerre, on va dans un combat pour nos droits, nos libertés constitutionnelles. Maintenant, je vais vous expliquer qui nous sommes sur le conseil d'administration et pourquoi on a fait cette fondation. En fait, on a vu l'urgence d'agir parce que c'est une urgence nationale avec ce qu'on voit, ce qui nous est présenté, ce qui nous est fait dans notre dos. Vous avez vu les gens qui faisaient des manifestations hier pour le racisme. En fait, c'est juste la diversion de notre gouvernement, on sait. On le sait et c'est le moment où il faut dire à nos gouvernements qu'il y a des gens qui voient assez clair dans leur jeu. C'est terminé d'être des moutons qui se font manipuler. On n'est plus là. C'est vraiment plus ce qui se passe, là. Et le message qui est envoyé doit être fort. Et on doit montrer à ces gens-là qu'on est dans une conscience sociale qui s'élève. Et il n'y aura aucun retour en arrière. Maintenant, c'est ça, quand on a vu, moi ça fait quelques années, écoutez, personnellement, j'ai souffert d'un problème de santé chronique. J'ai été aux prises avec un virus quelconque qui m'a été transmis, on ne sait trop comment, mais sauf que j'ai connu c'était quoi passer 50% de mon temps au lit, et c'est pour ça que j'ai la légitimité de parler aujourd'hui. J'avais la fibromyalgie, et il y a un quart, en ce moment, au moment où on se parle, il y a un quart de la population mondiale qui vit dans un lit à temps plein. Ouais, oh my God. D'accord. Donc, ça démontre qu'effectivement, il y a des choses qui sont faites pour rendre des gens malades. Alors, les chemtrails, par exemple. Les vaccins. Il y en a d'ailleurs. Alors, à la Fondation, on a décidé de s'allier avec les gens. Ils ont des marchés, avec des médecins, il y a plein de petits trucs brillants qui sont. Tous les spécialistes avec qui on est ne veulent pas mettre leur nom, et c'est correct. De plus en plus de gens, je pense, vont prendre. Tenter le terrain avec nous, ils vont savoir qu'est-ce qu'on fait, ils vont nous donner de la légitimité, ils vont voir qu'on n'est pas un groupe d'extrémistes, et ils vont s'allier à nous. Il faut montrer une image, il faut montrer un professionnalisme pour pouvoir attirer effectivement des scientifiques, des médecins, des chercheurs vers notre groupe. Ça nous
Mais on a déjà un gros bagage avec les États-Unis. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait comme structure, qu'est-ce qu'on fait comme stratégie. En partie. Alors, à la fondation, on a trois, sur le conseil d'administration, il y a Stéphane Blais qui est président. Il y a Jean-Jacques Préfère qui va s'occuper des, qui va être vice-président des groupes d'experts et des scientifiques. Et moi, je suis aux opérations, VP opérations et directrice générale. La mission de la fondation, en fait, c'est d'aller regarder dans l'environnement immédiat, d'aller identifier les violations de nos droits constitutionnels, ensuite d'embaucher les meilleurs avocats au pays qui appuient la fondation. Vous avez vu, on a fait déjà une action très rapidement. La fondation a été construite il y a 30 jours. Et après, c'est d'aller s'allier avec des gens qui sont à l'international, aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde. Des gens qui mettent déjà des pièces du puzzle, qui ont déjà des bases de données sur la vaccination, qui ont été utilisées avec le président Trump, avec Robert Kennedy Jr. Alors, on a fait des alliances avec ces gens-là pour avoir accès à ces bases de données que Robert Kennedy Jr. a utilisées à l'automne pour renverser la vaccination obligatoire alors qu'il était au Conseil national pour l'innocuité des vaccins. Les autres alliances sont avec des avocats qui sont en Belgique. Et on a aussi tout un groupe d'avocats derrière nous pour développer différentes stratégies. Et on n'a pas de problème à développer un point, un plan A, un plan B et un plan C. Ouais! Moi, je vous encouragerais à aller puiser la plus grande force qu'il y a à l'intérieur de vous en ce moment pour être des appuis pour les gens qui vous entourent. Et on l'a tous vécu à différents degrés, le marasme qui se passe en ce moment, la tyrannie. On a tous des personnes âgées dans nos familles qui sont décédées, qui en souffrent, des enfants qui en souffrent. Et c'est pour ça que c'est le moment de s'unir. Il faut reconstruire un tissu social au Québec. On a eu beaucoup de demandes de bénévolat, de... Bon. Pour le moment, je vous dirais qu'il faut vraiment protéger la structure. Ce qu'on a mis en place, c'est que pour départager le pouvoir, pour s'assurer que personne de nous ne prend le pouvoir, c'est qu'on va avoir un pouvoir départagé entre nous, bien sûr, au niveau de la décision, mais on va avoir aussi des membres votants. Donc, il n'y a aucune décision importante qui va se prendre sans aller au conseil des membres votants. C'est votre argent qu'on a dans les mains, on en est conscient. On va avoir des comptes à vous rendre, on va vous en rendre à toutes les semaines à travers de vidéos en direct pour vous dire qu'est-ce qu'on fait, les démarches, où on en est rendu. Parce que ça, on va être redevant envers une population, c'est normal. C'est un réel projet de société et nous sommes au Québec dans un momentum pour agir en le peuple. Et vous remarquez qu'on a enlevé dans le nom le mot « citoyen » pour envoyer un message assez puissant au gouvernement pour leur dire qu'on ne se considère pas comme des citoyens, parce que dès qu'on dit qu'on est citoyen, on dit qu'on est un esclave du système, on donne notre accord. Non, nous sommes le peuple et plus des citoyens. Il est temps d'avoir le courage de nos convictions au Québec. C'est plus le temps de reculer, c'est plus le temps d'avoir peur. C'est terminé. Et signaler qu'on n'en est pas dans des peurs. Ouais! Pour terminer, je vous inviterais juste à faire des activités dans vos régions, faire connaître le mouvement, parce qu'on se rend compte que la loi 61, il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas encore, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. On a même des collègues qui ont lu cette loi-là et qui nous disent, ben, ça me semble pas si pire que ça. Non, c'est pire même que ce qu'on peut s'imaginer. Parce que si on signe ça, c'est l'avenir de nos enfants. Mercredi soir à minuit, hein, et non pas le 12 juin, probablement que ça va signer. Ça va probablement se signer en pleine nuit, alors que l'Assemblée va être vide. Alors,
Alors, les Québécois, on ne peut pas se permettre de ne pas agir. On a agi ce matin, on a déposé un document. Et c'est Stéphane Blais qui parle de la taille des actions prises en ce moment. Merci. Merci Alexis Cossette-Trudel de nous informer. Merci. Merci. Merci André Pitt de tout fouet pour mettre aux gens à comprendre ce qui se passe, de nous informer. Effectivement, les médias ne sont pas élus du peuple, ils ne représentent pas le peuple. Ils sont censés être une vitrine sur une réalité objective, mais il y a une grande distorsion entre l'objectivité et ce qui est présenté dans les médias. Est-ce qu'on croit encore aux médias? Non! Je suis allé aujourd'hui à une conférence de presse que vous avez peut-être vue. Non. Avec moi, il ne faut pas que vous entendez. J'ai dit à Maître Bertrand que je n'avais pas besoin des médias mainstream. Mais son agence de presse nous a convaincus de leur donner une dernière chance. Et ces gens-là, ils ont des enfants aussi. N'est-ce pas José Turmel? José Turmel, ex-chef d'antenne TQS qui est avec nous, qui est notre mort. Merci, José. Merci. On est tous des frères et sœurs. J'ai embrassé tantôt un bel homme du Maghreb, là. Il m'a fait l'accolade. Je suis pas gay, mais je l'aime parce que c'est mon frère. C'est fini la division. La division, c'est pas nous qui la créons. C'est les médias et les gouvernements qui veulent qu'on se divise pour avoir des lois 61. On va vous expliquer c'est quoi aujourd'hui. Je vous invite sur la page de la Fondation. OK? La Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Peuple faisant référence à quoi? À l'humain que vous êtes. Vous êtes dignes. Vous êtes des beaux humains. Peu importe vos croyances. Que vous soyez de gauche, je vous aime. Que vous soyez de centre, je vous aime. Que vous soyez de droite, je vous aime. OK? Que vous soyez noir, blanc, asiatique. Peu importe, on s'aime. Autochtone, on s'aime. Soyons tolérants. Pourquoi? Parce que les médias envoient un message qui est faux à la population. Tout est manipulé. Pourquoi? Je suis comptable. Conflit d'intérêts. Qu'est-ce que conflit d'intérêts? Je vais vous l'expliquer. Si vous êtes payé par quelqu'un, par exemple le gouvernement, qui achète des pubs encore de la COVID-19, c'est pas censé être fini, ça! C'est qui paye pour ça? C'est vous autres. Est-ce que vous voulez qu'on prenne vos impôts pour payer de la pub COVID-19? Mais on vous le prend. On vous dit de fermer votre gueule. On est en train de voter une loi ici que Maître Bertrand a qualifié d'entrée en dictature. C'est ça. Il faut le comprendre. C'est pas un euphémisme. Non. C'est très important de comprendre que si cette loi-là passe... comme les divergences d'idéaux politiques, de races ethniques, de cultures ou de visions sociales personnelles à chacun. D'ailleurs, le véritable ennemi invisible ne demande que ça, que nous soyons divisés par une société malade. Ne lui donnons pas raison. Ne lui donnons pas ce qu'il veut. Diviser pour mieux régner. Ne tombons pas dans ce vicieux piège, mes chers amis. Unissons-nous avec la force de l'amour! Maintenant, vous, chers comparses des forces de l'ordre,
que je préfère nommer agent de la paix. Vous êtes dans le même bateau que nous avec vos familles. Même si on vous fait pression pour ne pas le montrer en tenue d'uniforme, vous avez prêté serment de protéger et servir qui? On vivra tous les mêmes conséquences de ce glissement social. Mais j'ai confiance en vous, en votre honneur et en nous tous! J'ai été témoin d'assez d'événements exceptionnels pour réaliser que l'humain, guidé par une bonne lumière et bien nourri d'amour, peut accomplir des choses extraordinaires, peut accomplir l'impossible! La plupart d'entre nous ne réalisent pas à quel point nous, humains ordinaires, sommes d'une force incroyable, une force qui dépasse l'imagination, parce que cette imagination effrayé par le message sombre de cet ennemi invisible qui veut à tout prix nous faire croire le contraire et nous taire sur notre terre! Mais bonne nouvelle, mes amis! Sachez qu'on peut allumer des dizaines de bougies avec une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas la lumière en la partageant, bien au contraire, Boudon l'a dit! On l'amplifie! On est tous réunis aujourd'hui pour un seul et même combat. Et c'est maintenant à nous de bâtir le nouveau monde, de s'offrir la possibilité d'un avenir libre de dictature où l'argent qu'on gagne s'en va dans nos poches. Un avenir où on peut se promener librement dans notre pays. Un avenir où toute personne a le droit de refuser l'injection de toute substance dans son propre corps, quelle qu'elle soit. Où on peut et doit demander des rapports d'études indépendants sur les impacts des nouvelles technologies avant d'en installer l'installation massive sur notre territoire. Ouais. Un avenir où le peuple peut tout simplement vivre en sécurité, en liberté et en paix. Ouais. Un avenir où le peuple est souverain. M'adresser un message spécial aux vandales, casseurs et perturbateurs. On entend parler dans les médias. Évidemment, je parle pas de ceux du Black Bloc ou ceux qui sont payés pour le faire, mais monsieur, madame, tout le monde, je comprends très bien pourquoi vous commettez ces actions-là, OK? Vous pensez pas avoir la moindre chance de pouvoir vous exprimer librement, d'être entendu et compris. Donc, vous en êtes arrivé là, à brûler des tours 5G. Une des conséquences indéniables de la censure du système systématique et arbitraire des plateformes de réseaux sociaux. Mais là, on est là pour vous donner force et espoir. Grâce à ce mouvement, vous aurez la chance d'être entendu haut et fort et de réellement faire une différence, d'avoir un vrai pouvoir d'action! Ouais! Alors, s'il vous plaît, on vous prierait d'arrêter de faire ça. Ça va malheureusement rien changer parce que la machine corporative est trop grosse. Les compagnies d'installation de 5G sont assurées pour les remplacer toutes à mesure que vous allez les détruire. Vous n'aboutirez à aucun résultat. Ça fera à peine les ralentir. Par contre, la seule chose possible qu'on observe déjà, c'est que vous donnez des armes aux médias de masse pour détruire et dénaturer l'image qu'on essaye de bâtir avec toute la force de notre vivant! À la place, demandez-nous de quelle façon vous pouvez contribuer. Et vous avez ma parole d'homme. Vous vous sentirez bien plus utile de cette façon. J'aimerais maintenant lancer un message au groupe de gens présentement en contrôle de notre système social. On est parfaitement conscient de ce qu'on risque par l'entreprise de nos actions. On risque beaucoup. Et on sait très bien qu'on va tenter de nous arrêter par tous les moyens possibles. Alors cette élite mondiale qui aurait comme stratégie de s'en prendre à nous, de nous discréditer avec des arguments bidons qui ne tiennent pas la route. Pardon. En nous menaçant. J'ai fait mal. Et peut-être même. C'est que du carton. Non, elle est graphique. On est conscient de ce qu'on risque. Et on vous avertit. Il n'y a pas de cible particulière à viser pour vous. Parce qu'il n'y a pas de leader désigné. Vous ne saurez pas où focaliser vos efforts de destruction. Pour la simple et excellente raison stratégique de notre part, que personne n'est attitré comme chef, empereur ou
peu importe ce qui pourrait représenter le haut d'une pyramide. Nous ne fonctionnons pas avec cette forme hiérarchique. Les rênes de ce mouvement populaire sont pas tenues par un seul être ou un groupe de dirigeants spécifiques. Autrement dit, appel à la liberté n'est pas conduit par une personne, ou 10, ou 20, ou 100, ou 1000. Ils sont conduits par nous tous ici présents, et bien plus encore! Au Québec seulement, on est déjà des milliers, et notre nombre s'accroît exponentiellement. Notre lumière remplit déjà l'inexistence de la vôtre. Vous venez de commettre une erreur fatale. Vous avez poussé le bouchon trop loin en sous-estimant les humains de cette planète. Comme un joueur compulsif ne sait pas s'arrêter à temps et qui perd absolument tout en jouant la mise de trop. Votre défaite est désormais imminente. Absolument. Et maintenant, vous, chers compatriotes québécois, et pour tous les peuples de la Terre, nous avons déjà passé le point de non-retour. Mais là, le plus grand obstacle à surmonter, c'est la peur qui nous éloigne de l'amour. Je peux très bien comprendre ceux qui vivent dans la peur présentement, et probablement depuis longtemps. Mais comprenez bien, au point où on en est, si on fait rien, ça veut dire qu'on choisit d'accepter le pire scénario possible et d'en subir tous autant que nous sommes, et pour les générations à venir. Il faut pas se leurrer, on y passera tous. Et même vous, les plus nantis, ne soyez pas dupes. Votre argent ne vous sauvera pas. Comme nous, vous allez tout perdre. Agissons pendant qu'il est encore temps d'éviter le pire. On a assez sué, on en a assez bavé. Ce mouvement a pour but de permettre aux lumières que vous êtes de briller dans toute leur splendeur. Ouais! Pays, c'est maintenant à nous d'écrire l'histoire d'un monde pour un avenir où le peuple est souverain! Merci Joël, c'est un discours passionné que tu viens de nous faire, mon ami. Merci, belle fois. C'était Joël, mon partenaire collaborateur du groupe Appel à la liberté, Action citoyenne pacifique, parce que oui, nous sommes pacifiques, nous agissons dans la paix. Donc, je passe le micro à une dame qui a demandé le droit de parole, parce que le groupe Appel à la liberté, c'est ça, c'est le droit de parole au peuple. S'il y a des gens qui auraient des choses à dire, on peut accorder peut-être 2-3 minutes. 5 minutes maximum par personne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de quoi à dire, mais on appelle à la liberté, c'est ça. C'est la tribune de parole du peuple, des anges gardiens, des droits et libertés. Donc, s'il y a des gens qui ont des choses à dire, à adresser à eux qui travaillent là-dedans, c'est le temps. Là. Oui, bonjour, mon nom c'est Mimi. Est-ce que je parle assez fort? OK. J'aimerais juste rajouter, parce que c'est vraiment assez complet sans chose, mais j'écoutais justement... Savez-vous pourquoi on nous demande de s'éloigner de 2 mètres? Savez-vous pourquoi? Parce que la G5 ne peut pas vous contrôler à moins de ça. Fait, rapprochez-vous le plus du monde possible et non d'eux. Regardez, parce que la G5, ils savent tout. Tout sur nous. Maintenant, les masques, si vous regardez sur Internet, c'est l'esclavage. Les masques, vous regarderez. S'il y en a qui parlent anglais, essayez de prendre ce titre-là. Ça s'appelle Coronavirus Kill More Than COVID-19. C'est deux médecins qui parlent et expliquent tellement de façon élémentaire comment le système immunitaire est. Parce qu'ils parlent d'un enfant qui prend du sable, il mange du sable. Il fait son système immunitaire. Et nous, on nous empêche de faire des choses comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, il dit, même vous prenez du Lysol et vous essuyez, mais votre système immunitaire, vous n'en fangerez jamais. Alors moi, comme il y a un avocat aussi qui a parlé. Arruda nous dit, évitez l'usage du masque.
au mois de mars. Rendu au mois de mai, il nous demande quoi? D'expulser! Il dit très bien, le port du masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté! Ça veut dire quoi, cette déclaration de rigueur? Expliquez-nous l'excès de... Dans... Excusez, je recommence. J'ai pas un bon nom présentement. J'ai plus de quoi, là. Mais je donne tout ce que j'ai. Je vous ai promis, je donnerai tout ce que j'ai aujourd'hui. Puis je vais le donner. Expliquez-nous l'excès des données. De mortalité à... Non. Non, c'est ça. Expliquez-nous l'excès des données des mortalités en mars et avril versus mars en avril 2020. Il nous répond quoi, Hugo? À peu près similaire! Là, je vais vous parler de... Là, je vais vous parler d'un pays, là, qui a réussi avec moins de pourcentage au Québec, avec moins de monde au Québec, qui ont réussi à faire quoi? Jeter le gouvernement dehors! Tout le monde doit respecter la loi! Tout le monde doit respecter la loi! Puis le gouvernement ne fait pas exception! Non! Fait que je vous lis le texte. Ça se trouve dans l'Islande. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Oui! Le premier ministre de l'Islande, Benjamin Pinto, vous comprendrez, a annoncé vendredi, ça date de septembre 2017, le 16. Le premier ministre irlandais a annoncé vendredi la convocation prochaine de législative anticipée, le deuxième en moins d'un an. J'ai de la sueur dans les yeux. Annoncé vendredi la convocation prochaine de législative anticipée. Le deuxième en moins d'un an après le retrait d'un parti de la coalition du centre droit qui a fait chuter le... J'ai pas compris Québec! Je vais arrêter le texte là. Je pense qu'on a très bien compris. On dit quoi nous autres? On dit non à quoi? On dit non à quoi? La loi 61! Hey, tout le monde, je vous aime! Ouais!